La République démocratique du Congo fait face à une flambée de rougeole. Depuis le début de l'année, cette maladie infectieuse a déjà fait 761 morts, selon l'Organisation mondiale de la santé. Entre janvier et mars 2019, près de 42 000 personnes ont été contaminées par la rougeole en RDC, indique l'OMS. Le virus sévit dans 24 provinces sur les 26 que compte le pays. Les nouveaux cas ne cessent d'augmenter, selon l'agence de l'ONU chargée de la santé. Depuis 2010, la RDC est confrontée à des épidémies de rougeole. L'an dernier par exemple, la maladie causait la mort de 900 personnes. En Occident, le luxe de ne pas se faire vacciner pour endiguer la contagion actuelle, l'OMS et l'UNICEF vont lancer une vaste campagne de vaccination à travers le pays, à la mi-avril. La rougeole est une maladie virale extrêmement contagieuse et pour laquelle il n'existe pas de traitement curatif. Elle touche surtout les enfants, mais aussi les adultes non vaccinés. Le virus se propage lorsque les malades toussent ou éternuent. La rougeole se manifeste par une forte fièvre suivie d'une apparition de plaques rougeâtres sur la peau.